Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tournoi, enfin, j'en refais un. Et ce tournoi, c'est lequel? Ah, j'ai oublié de mettre ma montre, c'est important, elle me porte chance. Donc aujourd'hui, le 11 juillet 2014, nous avons donc un tournoi spécial Evoli, qui va prendre part. Donc encore, cette fois-ci, ça sera sur 2 jours, je sais plus si l'autre fois c'était sur 2 jours ou peut-être sur 4. Je m'en rappelle plus trop. Donc là, c'est sur 2 jours, je crois, du 11 au 13. Je dis je crois parce que bon, j'ai vu les règles vite fait hier. Alors, j'ai enfin fini de bride parce que j'ai bride toute la soirée, toute la matinée, jusqu'à 4h du mat, histoire de faire, parce que j'avais complètement oublié que c'était le 11 que ça commençait. Du coup, j'ai dû faire ça à l'arrache. J'ai fait 4 Pokémon, vous allez voir lesquels pendant le choix. Donc, spécial évolué, ça veut dire que vous avez grosso modo 7 Pokémon. Possible 8 Pokémon possibles à choix, c'est-à-dire Evoli et toutes ses évolutions. Si je ne me trompe pas, ça fait 7. Evoli, Voltali, Pyroli, Aquali, Noctali, Montali, Girali, Filali, Nymphali, ça fait 9. 9 même Pokémon à choix, même si l'Evoli va pas être choisi, voilà. Mais ça risque d'être sympa, donc tous les Pokémon sont remis au niveau 30 en plus, donc au niveau des dommages, ça va être intéressant. Et aussi, ça sera un combat rotatif. Rotatif, ça va être compliqué, je sens. Voilà, je n'ai jamais fait personnellement. Donc, j'ai testé avant un combat. J'ai gagné 4-0. Parce qu'on peut choisir 4 Pokémon aussi. Donc, 3 qui seront dans la roue. Et 1 qui sera donc. Qui sera dans l'équipe. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. J'ai fait genre. Donc, juste un combat pour tester. Pour voir si ma team ne se fait pas démonter. Pour l'instant ça va, bon c'était le premier combat contre un gars qui savait pas trop, je crois qu'il avait pas fait la répart des EV pardon. Donc il ramassait pas mal. Mais donc voilà. Allez, c'est parti. Alors compétition internet, combattre. On est parti pour 5 duels. Après ces 5 duels que j'aurais filmé, on va donc. Je vais faire de mon côté les 4 d'après. Histoire d'arriver à 10. Après, quand j'arrive à 10, je vais refaire 5 duels avec vous, ainsi de suite, pour pas trop dépasser. Si je vois que dans le niveau des matchs, avec 5 duels, j'arrive à faire environ en pas trop longtemps, c'est-à-dire une demi-heure comme ça, au pire, je peux en faire un de plus, etc. Mais grosso modo, ça va être 5 duels. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça soit des vidéos trop longues. Et donc voilà, mais vous aurez quand même 2 vidéos par jour, si vous voulez, vu que c'est sur 3 jours, donc normalement il y a 60 combats. C'est beaucoup 60 combats, il me semble, hein. Je sais même plus. Donc, voilà comme ça se présente. Alors j'ai 2 Pokémon qui servent à rien, c'est-à-dire Nymphali et Filali. Je les utilise pas, mais je les mets pour faire genre. donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est que c'est simple. Noctali on garde en douce. On va mettre... Pyroli, Aquali, Voltali et Noctali en douce. Noctali c'est le Pokémon qui fait chier parce que bon il a Wish, Protect Toxique, je crois, et Vengeance. Si jamais j'ai un Pokémon qui crève, je le mets, bam, Vengeance. Ça peut surprendre à mon avis. Je l'ai pas encore réussi à le tester. C'était parce que je l'ai pas pris Tricherie. Je sais pas comment on l'a pris Tricherie en fait. Enfin. Je suis pas allé les chercher très loin parce que j'étais complètement défoncé, mais j'ai vu qu'il apprenait. Enfin, Tricherie, il l'apprenait pas. Ou c'est moi qui a badé. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il a pas mis d'Aquali. Donc là, ce qu'on peut faire directement. C'est. Nitro Charge. Alors, il a ça qui est dans le spécial. Donc même s'il me fait une attaque psycho, c'est pas trop grave. Alors normalement avec un nitro charge, je suis censé le dépasser. Ouh, coup critique. J'espère en tout cas. Maintenant que j'ai ça, je vais lui faire. Voilà, je suis censé le dépasser. C'est nickel. Paf. Donc après ça, c'est parti pour la déchéance. Non bon, lui c'était le plus simple. Attends, j'aimerais bien Nymphali, je sais pas qu'il a pris Aquali. S'il a pas pris Aquali, c'est cool. Donc maintenant, comment ça marche Pyroli? Pyroli à cran. Donc comme
Notre fameux. Alors attention. Là, on sera obligé de switch. Enfin, de switch. De tourner. Parce que si. Il va rester forcément avec lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire lui et bah, l'ombre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il joue avec cran. C'est-à-dire que quand il a un problème de statut, il. Alors, je suis plus rapide alors que j'ai pas axé toute ma vitesse sur ce Pokémon. Il fait tonnerre, j'absorbe. Ça me soigne même si. Ça me soigne de mes PV perdus à cause de l'Orbe Vie. Donc, il est avec l'Orbe Vie, le Valtali. Donc, je disais pour le Pyroli qui a cran, quand il a un problème de statut, il voit son attaque augmenter. Donc ça fait très mal. Je sais pas si c'est doublé ou augmenté. Je crois que c'est augmenté de pas mal. Je crois que c'est augmenté de 50%. Du coup, ça fait très mal. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer parce que bon. Voilà. Même s'il met lui, c'est pas grave. On prend pas trop cher parce que bon, il y a l'accident spécial. Ah, il y a une baisse de défense spéciale. Très bien. Représailles. Ah, j'aurais pu la prendre ça aussi. Ouh, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple, on va faire. Je tenterais bien de faire Fatal Foudre. Ah, elle a loupé. C'est pas grave. Ah oui, c'est grave, parce que du coup, attendez, faut réfléchir. Parce que Pyroli, je peux rien faire avec lui. Enfin, Noctali maintenant, VS Noctali. On va faire. Cette fois-ci, on va tourner sur Pyroli en espérant qu'il tombe pas sur. En espérant qu'il tombe pas sur. Sur Voltali, quoi. Voilà. Voilà, nickel. Le tank est muerte. Bon, il prend cher. Plus. Donc il nous reste deux Pokémon chacun. Ça va être compliqué. Alors, comment on va faire là? Il va forcément aller sur son. Sur son enfin Voltali. Alors je voudrais réfléchir. Hein. S'il va sur son Voltali, le mieux serait. Alors je vais faire. Je vais faire vengeance, tiens, parce qu'il y en a qui est mort. Oh non. Ah, je résiste bien. C'est nickel, vengeance. Ah, ça lui fait pas trop de dommages. On va faire un. Parce que vu que je prends rien. On va faire un vœu. Tonnerre. Ah oui, c'est vrai, j'avais baissé tout. Donc vu que j'ai pas deux restes. Je sais même pas ce que je joue. Vu que j'avais pas deux restes, je me suis dit, je vais mettre une Bécitrus. Comme ça, vous voyez, je peux faire de double. Et alors, tonnerre. On va faire toxique. Comme ça, s'il remet Sylveon, je pourrais lui mettre un toxique. C'est pas grave, qu'il fasse ses allers-retours. Pouvoir lunaire. Donc là, on l'avait eu, il m'enlève 50, mais c'est pas assez. Ouf. Toxique. Nickel. Donc là, il est obligé de faire chaque fois 1-1-1 pour pas trop perdre. Enfin, non, en fait, le poison avec, enfin, avec toxique, c'est un peu spécial. On va voir ce que ça donne. Normalement, donc là il a perdu son premier tour de toxique. Là on va faire vœu. Oula. Il reste. Pas qu'il me fasse un coup critique. Voilà. Je fais un vœu normal. Ça serait des combats un petit peu comme ça, hein, parce que bon, c'est vrai que Nymphali pourrait être casse-couille, c'est le seul Pokémon qui me dérangeait ici avec Voltali. Parce qu'il est très rapide, donc Voltali c'est casse-couille aussi. Alors j'ai abri, comme vous avez pu le voir, donc très bien. Très bon move. Donc voilà, il reste. Pas de soucis. Il
Donc là, il prend des tours de poison. Je continue avec vœux. C'est un peu pupute, mais je peux pas me permettre de. Donc là, il va perdre son tour de poison. Voilà. Là, je me protecte. J'avais l'avantage dans le sens où les deux attaquent dans le spécial. Mon Otali est un tank spécial parce que je l'ai fait en sorte qu'il soit tank spécial. Il a beaucoup de PV, donc full défense spéciale, full PV. Hein. C'est vraiment le truc. Donc voilà, tout simplement. Non, pour celui qui arrive, pardon, on va lui faire donc directement un wish si jamais il me paralyse, pour être sûr. Donc un wish. Normalement ce Pokémon ne peut rien me faire. Double pied, ok. J'ai rien dit. Le jeu avec double pied c'est un peu chelou parce que bon, Voltali est un Pokémon qui apprend beaucoup d'attaques physiques, mais il est quand même beaucoup plus bon en spécial. Bon, c'est une idée hein, parce que justement il y a juste Octali qui est pas très, enfin qui est moins bon en physique. Donc ce que je fais c'est que je vais attaquer avec vengeance, même si c'est pas beaucoup. Ah, il a vu que ça faisait rien. Oui, ça fait beaucoup plus de dégâts. Alors, je fais un peu de dégâts. Attends, j'en ai rien du tout. J'aurais peut-être pas dû la prendre vengeance. Toi qui me parlais, c'est pas ça. Allez, encore un petit peu. Bah, je me suis dit que vengeance, ça pouvait être intéressant en fait, parce que bon, ça double de puissance. Si je me fais tuer un Pokémon, ça peut toujours être ça de pris. Ça peut toujours surprendre en fait. Bon là je n'en ai pas beaucoup donc je sais pas si c'est. Ah, Noctilien est un Pokémon qui a pas beaucoup d'attaques. Enfin, offensivement il est pas très bon. J'ai hésité avec Vivre Obscur mais Tricherie, je sais pas comment l'heure. C'est Mauve Tutor. C'est vrai que sur Shaudan on réfléchit pas trop. Et du coup, ben voilà. Bon bah c'est bon pour ce premier match. On a quand même pris presque 10 minutes pour le faire. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon c'est des matchs comme ça qui sont un peu plus serrés. On a les mêmes Pokémon. Les Pokémon prennent plus ou moins la même chose selon comment on les a entraînés EV. Et du coup voilà. Donc Aqualie on n'a pas pu trop le voir. Donc Aqualie qui se joue plutôt défensif celui-ci. Donc il n'est pas bold, donc il n'est pas assuré, mais il est relax parce que j'avais la flemme de faire un truc de fou. Alors il a beaucoup plus de points celui-là, donc faut faire attention. Il n'y a pas de. Oui, il y a des Nymphalines, mais on va voir s'il utilise. Alors, on va commencer donc avec Pyroli. Donc, on avait dit quoi? Pyroli, Aqualie, Voltali et Noctali. Là, il a deux physiques, deux spéciales, deux tanks. Donc, lui, il a bien. Initiative, enfin, il a fait en sorte que je puisse pas deviner comme ça, de premier coup d'œil, qu'est-ce qu'il allait prendre. Donc, il a l'air déjà d'être meilleur. Attends, on va voir comment ça va se faire. Après, c'est vrai que c'est l'anticipation, sur-anticipation. Est-ce que ça a été le bon choix ou pas? Etc. Etc. Alors, c'est parti. J'ai pas donné de surnom à mes Pokémon, même si je pense que ça change rien. Alors, ok. Ah, il va forcément switcher. Mais sur lequel? Logiquement, il devrait switcher sur. Sur Aqualie. Maintenant qu'il est fou. Enfin, tout se joue de ce tour. S'il se booste, il se dit, je fais dans Slam, je suis mort. Ah merde. Bon, il a pas beaucoup de défense spéciale. Défense. Ah, il s'est boosté. Bon, il est pas très rapide normalement. Alors, est-ce qu'un Balambre suffira pour le tuer? Je ne sais pas. Oh oui, j'ai fait Balambre heureusement. Donc j'ai fait en sorte que mon Voltali aussi ait une vitesse assez haute pour dépasser la Mentali full vitesse.
Voilà, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Alors là, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à un provoque, Noctali, tout ça, mais je me suis dit non, il y aurait pas trop tant de... Ah, mais du coup, il va revenir avec l'autre PD qui a dans Slam. Dans naturel. Ok. Ok, autant pour moi. Alors, est-ce que physiquement j'arrive à tenir? Je ne sais pas. On va faire un petit vengeance. Ah, putain! Ah, il joue bien. Le vengeance qui fait rien. Alors attention, maintenant il faut être intelligent. Dans le sens où... Ah mais ça va être compliqué. Mais je suis trop nul en rotation, j'arrive pas à anticiper en fait. Bon, on est obligé de faire ça. Qu'il a anticipé. Ouf, lame folle. C'est physique par contre, donc je risque de prendre cher. Oh non, vas-y, c'est pas possible. Oh bah je suis mort. Ouais, je suis mort. Bon, bien joué mon gars. Appelez quoi? Il pensait que j'allais switcher. On va refaire assez d'armure, je sais pas si je résiste. Merde. Oh, coup critique. Bon allez, lui, voilà. Aucun commentaire. Hein. Bon, moi, je vois comment les jambons jouent. Oh, les jambons. Oh, le jeu de mots. Les jambons, vous savez. Les jambons. Et du coup, voilà. Putain, il fait mal. Hein. Putain, mais j'aurais dû me dire qu'il allait faire dans cela. Putain. Je suis bête. J'étais vraiment. Je me suis fait prendre pas comme un. Comme un. Comme un débutant. Bon, c'est pas grave. Mais bien joué, monsieur la japonaise, monsieur la madame, comme vous voulez. Non, je sais un petit peu comment les gens un peu plus bons jouent. Alors maintenant, je sais un petit peu ce que je savais qu'il aurait pu faire dans ce slam. Hein. Si j'étais resté avec Pyroli, il serait mort parce que j'aurais fait Nitro Charge et j'étais passé après tous ces Pokémon. Putain, j'ai plus niqué. Merde, pourquoi je le quitte? Alors, c'est pas grave, on continue. Il faut bien que je perde un petit peu. Donc ça fait deux matchs hein, qu'on fait là seulement. 18 minutes de match. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Donc mes Pokémon, les 4 d'ailleurs, sont pas full 31. Ils ont pas mal. Le Pyroli par exemple, il est très mauvais. Dans le sens où pour avoir un qui a cran et tout ça, c'est compliqué. Donc il a la vitesse à 31, ce qui est intéressant, hein, c'est ça. Je trouve que la défense spéciale, parce que bon, c'est ce qu'il est bon aussi. Et je crois les PV. Donc voilà. J'ai un petit peu ciblé le truc, j'ai pas eu l'attaque malheureusement, mais c'est pas grave. Alors. Bon, on va partir sur le même principe de truc. Pyroli. Aquali. Voltali. Et Noctali. Mais au pire, mon Infali, il est jouable ou pas? Non, mais je lui ai mis un truc de merde comme objet, c'est pour ça. Parce qu'en fait, mon Infali, il est pas du tout. Il est EV n'importe comment. En fait. Mais bon. On va voir ça. En fait, ce qui me pose problème, c'est vraiment les Pokémon physiques. En l'occurrence, là, il a pas Filali. Parce que Filali, il est pas très bon, donc je me suis dit, ils vont pas. Beaucoup ne vont pas le prendre pour ça. Au final, là, c'est un Filali qui m'a niqué. Alors. On a le même trio. C'est pas cool.
Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Est-ce qu'il va switch? Est-ce qu'il va pas switch? Je sais qu'il est plus rapide que moi. On va essayer de faire un truc. À mon avis, il va switch parce qu'il sait que je résiste et il sait qu'il ramasse son retour. Il voudrait switch peut-être sur. Bon, on essaie d'y aller. Fatal Foudre. Yes! Parfait. Anticiper son truc. Bon, par contre, lui va me faire mal. Tunnel. Ok, donc là il peut pas bouger normalement. Hein. Ah, l'orthoxique, ok. J'ai pas pensé au tunnel. Mais c'est pas grave, il prend 2 tours pour le faire. Moi je fais. Évolution, ébullition, pardon. Histoire de calmer la chose. C'est pas stabé et tout, je suis assez défensif. Je prends quand même cher! Aïe aïe aïe. Bon, au moins lui il est mort. Alors qu'est-ce qu'il aura pris comme quatrième Pokémon? Oh putain. Le casse-couille de service. Là logiquement il devrait il est censé mettre. Voltali. Il y a un souci. Voilà. Moi je mets le mien. Il absorbe Volt. Moi j'ai anticipé qu'il switchait sur Voltali, du coup j'ai fait Balambre. Ça va là, là je joue bien. Encore. Donc il prend juste pas ce qu'il faut. Là de mon côté, on va switch sur. Lui en faisant Nitro Charge. Nickel. Histoire de gagner la vitesse. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Malédiction. Ok. Là par contre ça va être un peu plus compliqué. J'ai mon empoisonnement qui fait effet. Maintenant on va faire un gros bout de feu. Je sais pas si c'est mieux de faire face. Ah c'est bon. Alors il résiste normalement parce qu'il s'est boosté ce PD. Là pour le calmer on va faire. Parce qu'il se booste, il se booste, il se booste. C'est dangereux. Donc là on va taper dans le spécial. Gros Fatal Foudre, même si. Parce que normalement il est justement dans le spécial. Donc si je fais un gros Fatal Foudre, il devrait prendre cher quand même. Voilà, c'est bon. Il s'était boosté, il fallait faire attention. Hein, parce que un Octal est boosté avec 2 malédictions et l'accident spécial. Enfin, dans la défense spéciale, ça risque d'être compliqué. Donc. Merde, il est resté avec lui. Ah, parfait. Hydrocanon, oui, oui, oui. Bon, c'est pas grave. On est mort. Mais on a fait quand même le boulot. Donc, lui, il reste 2 Pokémon, mais il m'en reste 3. J'ai Noctali qui peut tanker les deux, normalement. Donc, on va faire ça. On y va avec du toxique.
pour faire son anneau hydro. Donc il a anneau hydro, hydrocanon. Ouais. Moi je me place tranquillement. Pour l'instant ça va. Là ça allait, ce match. J'ai bien anticipé ses gestes, ses moves. Il aurait pu anticiper le fait que je pouvais anticiper ce qu'il pouvait faire. Mais bon, après c'est compliqué. Hein. Ça reste. On peut se dire, l'autre il peut se dire, ouais, bon, il bouge pas, etc. Donc voilà. Donc là on va faire Wish. Parce que le canon ça arrive à faire un petit peu mal. Non, ça va. Faire un peu de dégâts. Voilà, c'est sûr qu'elle est tournée. Fatal Foudre. Et j'évite. Nickel. Un coup critique. Là, on y va vraiment tranquille. Hein. Sécurité. Donc, est-ce qu'il risque de me paralyser par exemple? Bon, s'il me paralyse, au pire. Qu'est-ce que la synchro fait F1. Oh là, l'enfant. Ça va. J'ai eu peur un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Comme il est là, Pyroli. J'ai pas du souci résiste. Hein. Faut ça foudre. Hein. Je dois vous l'avouer. Voilà. Allez! Tu vas pas. C'est pas possible. De jus. Mais non, mais non. Bon, on va tenter quelque chose. Ça devient critique. Coup de jus, je résiste, c'est moins fort. Façade. Là, ça c'est fait, parce que là, il commence à abuser du axe, hein. Je perds un petit peu de poison. Voilà, je perds 10, hein, faut noter ça. Histoire de savoir combien je résiste quand je suis. Alors là, maintenant, ce Pokémon. Hein, façade. Donc façade qui ignore même la brûlure, hein. Si je suis brûlé, par exemple. Bon, wow, ça fait mal. Donc, ça ignore la brûlure. Enfin, dans le sens que ça prend juste le boost. S'il serait brûlé, par exemple. Un Pokémon qui a façade et qui est brûlé. Par exemple, je pense, Carino. Bah, il aura quand même. Il aura juste le boost. Il aura pas le divisé par deux de la brûlure. Voilà, c'est à savoir parce qu'il y en a peut-être qui auraient peur de le brûler. Enfin, voilà, ça marche aussi. Alors, nickel. Nickel, nickel, nickel. On a fait déjà 4 matchs, non 3 matchs ensemble, on va encore en faire 2. Oui, c'est long hein, quand même, c'est long. C'est pour ça que j'en fais pas plus que 5. La commission de votre partenaire a été oh non. Ah non, c'est bon. C'était pendant qu'il recherchait. Rencontre... compétition internet, j'espère qu'il y en a vous. On ne sait pas le bruit. Attends, je vais fermer la fenêtre. Je reviens. Voilà, voilà, voilà. Ça recherche les adversaires. Ça recherche, recherche. Pour l'instant, on fait du 3-1. Ça va. En fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de match, c'est vraiment tuer les tanks. Ouais, aussi, ce qui me pose problème, c'est le Voltaïne.
Parce que Voltali fait tellement mal. Et puis il est rapide. Encore une commission interrompue. Avec votre partenaire, hein, c'est pas moi. C'est avec mon partenaire. Donc il a rage quit en fait. Il a vu mes points, il a rage quit. compétition internet, combattre. Alors s'il te plaît, j'aimerais avoir un adversaire qui n'abandonne pas. Heureusement que c'est pas moi qui perds. Hein. Vous imaginez? 3-2, 3-3. Oh non, je perds des matchs parce que c'est soi-disant moi qui ai perdu et tout. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de faire un petit tournoi comme ça, commenter, hein, ça faisait longtemps. Et donc voilà, en plus c'est un spécial évolué, donc ça peut être sympa. Il y en a un autre qui va arriver, je sais pas si c'est dans le même mois ou le mois d'après. Avec tous les Pokémon autorisés, je crois. On a le droit à un Uber par partie, un truc du genre. Mais ça sera du combat solo, il me semble, peut-être duo. Mais ça sera pas du. Ça sera pas du. Truc là. Du rotatif. Franchement, j'aime pas trop. Hein. Là, on a fait 4-5 matchs. 4 matchs. Je suis pas fan. C'est pas la même qu'avant celle-là. En fait, il y a même pas d'adversaire. Il y a trop pas d'adversaires. Non, c'est pas la même qu'avant. Alors. Bon, on va refaire. Non, pas lui. Voilà. Voilà, on se retrouve donc à cause d'un bug. Donc, je sais pas si c'est mon capture board qui prend l'âme. Mais j'espère pas. Je vous explique juste vite fait, c'est genre toutes les demi-heures environ avec le logiciel OBS, donc Open Broadcaster Software, c'est le truc que je fais depuis pas mal de temps là. Bah ça bug, donc 3DS Capture Board flanche, voilà, après une demi-heure tout le temps. Donc désolé pour, de toute façon je vous aurais coupé tout ça. On se retrouve donc, j'ai perdu, on se retrouve donc pour le dernier match. Et donc voilà, je pense que je vais devoir me racheter un 3DS Capture Board plus une DS. Je sais pas, peut-être les endommager, j'en sais rien. C'est vrai que ça fait un petit moment que ça bug. Puis je me dis que c'est peut-être l'ordi, mais à mon avis c'est plus la chose de 3DS Capture Board que l'ordi. Mais bon. Donc on va essayer de faire vite fait ce dernier combat. Désolé des dérangements, de sang pour vous, y a rien qui va se passer. C'est très rapide, pour moi c'était un peu le calvaire. Donc, Biroli, Aquali, Voltali, Noctali. Let's go. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai du mal. J'ai franchement du mal en rotatif. C'est un mode que je sais pas, j'arrive pas à assimiler les. Parce qu'au final, on peut faire trois choses. Trois choses en finale, en même temps. Donc, c'est impossible de se dire, à moins d'être vraiment fort. De se dire il va faire ça, ça et ça. Là en l'occurrence il va mettre Voltali logiquement. Que non en fait. Il peut laisser lui. Moi ce que je fais par contre, c'est que je vais switch. En faisant ballon. Parce que si jamais il met Voltali, au moins j'aurai lui. Voilà, il le met pas. Parce qu'il sait qu'il est plus long le Pyroli. Oh le one shot. Oh, sans coup critique. Sans coup critique. Donc là, c'est nickel. C'était un petit gratuit. Je pensais pas le tuer quand même. Hein. Parce qu'il a mis full vitesse, tout ça. Alors, celui-ci maintenant. Là, on va switcher parce que bon. Est-ce qu'il prendrait le risque de rester? Bon, c'est pas grave. Au pire. On tente l'ébullition. Au pire, il reste. Ah, il restait pas! Fait chier! Fatal Foudre, et voilà dans le fion. Ah, je résiste. Ouais, paralysie. Non, parax à tous les coups. Ah non, ébullition. Je brûle. Parfait. On va faire un vœu, bah, de toute façon, je vais crever. Ah. Ok.
Là, ce qu'on va faire, c'est simple. T'as dû faire abri avec l'autre, parce que comme ça, j'avais mon truc qui allait se faire. Bon, c'est pas grave. Enfin, mon... l'orbe qui serait... Donc, logiquement, il va rester. Attends, on va faire un bon... faire ça parce que au final je sais pas si voilà pouvoir lunaire c'est ce que je pensais donc là logiquement il va switcher sur Voltali parce qu'il est pas con si switch sur Voltali je fais ballon bien fait. Donc il me soigne mais j'avais presque rien. Oh c'est compliqué hein, c'est hyper l'anticipation, ça c'est bien. C'est... Ce qui est bien avec ces combats c'est que faut hyper anticiper. Et du coup c'est ça qui est dur. C'est ça qui est cool aussi. Donc ouais, mon chat qui fait chier, voilà. C'est la totale aujourd'hui hein, dans cet épisode. Bon tu restes dehors Attila. Alors on va... Bah on va faire un gros Fatal Foudre, je pense que ça devrait passer. Mais pourquoi je loupe? Je refais Fatal Foudre, non, attends, il y a mon chat qui gratte trop. En plus j'ai même pas ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai touché? Ah j'ai paralysé même. Donc la façade sans réfléchir, si mes Pyroli il ramasse, si mes Nymphali, je suis full vitesse 31. Non, je suis censé dépasser Pyroli où il y a la comment ça s'appelle, la speed tie qui doit se faire. Donc, est-ce que ce sera le cas? Façade. Ouf. Ah, ça fait mal la façade, hein, quand même. Voilà. Et pour finir, le Nymphali. Donc, on finit quand même sur une bonne note. Bon, j'ai bien anticipé, hein. Faut pas le dire le contraire. Franchement, j'ai géré. Sur ce coup, en tout cas. Parfait, donc on finit sur une victoire. Nickel, désolé des dérangements, des chats, des trucs. Jamais de bol. Alors mon chat était donc dehors, il revient pile en fin de vidéo, pile au moment où j'avais eu le problème, etc. C'est fou. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est simple. Moi je vais me poser sur mon lit, poser. Je fais 5 combats. Et je vous retrouve pour les 5... Enfin attendez, non. Je suis à combien ici? J'ai fait 6 combats. Hein. Donc, je vais faire 4 combats dans mon coin. Après, je fais le combat 11 à 15 avec vous. Et après, je fais les 5 derniers après, plus tard. On fait comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Soignez-vous bien. J'espère que cette petite série avec les dévolis, ça vous plaît. Je pense que vous kiffez les dévolis parce qu'ils sont trop kawaii, des sounets. Mais en tout cas, moi, ça me fait un petit peu plaisir. En même temps, je découvre un petit peu le rotatif. C'est assez compliqué, mais je commence à m'y faire un petit peu. Donc allez, à la prochaine, et j'espère que les bugs vont un petit peu se calmer. Ciao, bye.